Bonjour, je suis Xavier du groupe Calirock à Saint-Nicolas-de-la-Grave et j'ai le plaisir de vous inviter à une petite visite au musée Lamotte Cadillac avec notre ami Pierre. Une visite qui est dédiée à nos amis de Détroit. Merci, en avant et rock'n'roll. Alors je profite de l'opportunité que m'offre le groupe Cadirock pour saluer nos amis de Détroit et plus particulièrement les paroissiens de Saint-Anne. Vous fêtez le 320e anniversaire de la construction de l'église, de votre église, et vous avez eu le plaisir de l'avoir élevée l'année dernière au rang de basilique mineure. Félicitations pour la constitution de cet impressionnant dossier et la réussite de votre projet. Vous serez peut-être surpris que je connaisse ces informations, mais je suis tenu régulièrement au courant des événements de Détroit par notre ami commun John Cooper. Et nous nous faisons une joie, grâce à lui, de vous recevoir, amis pèlerins, lorsque ce sera possible. Alors, quelle belle idée pour vous de vouloir célébrer une messe à Saint-Nicolas et de voir le village natal d'Antoine Nomé. Saint-Nicolas-de-la-Grave est un petit village du sud-ouest de la France, situé entre Toulouse et Bordeaux, à proximité de Moissac et son abbatiale, haut lieu de pèlerinage des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. L'abbé de Moissac, le vicomte de Lomagne, qui concédèrent aux Nicolaïtes une charte en 1135. La sauveté de Saint-Nicolas est née, soit 566 ans avant la construction du fort de Pontchartrain. L'évolution historique, l'implantation géographique n'ont pas permis au village de s'agrandir et nous comptons en 2021 une population de 2200 habitants. C'est de ce petit village de Gascogne que partira Antoine Nomé pour son rêve américain. Vous avez su le remercier en achetant et en rénovant une partie de la maison que nous supposons être la maison natale d'Antoine Nomé. Votre générosité a été plus importante encore puisque vous en avez fait don à la municipalité de Saint-Nicolas-de-la-Grave à la condition qu'elle soit et reste un musée. Nous n'avons jamais su déterminer où était la maison des Lomé. Nous supposons qu'au XVIIe siècle, les femmes accouchaient chez leur maman. Et nous sommes devant la maison des grands-parents maternels d'Antoine Lomé. Et cette demeure a deux étages. Au moment de l'achat de ce bâtiment, seule cette partie-là était à vendre. Nous sommes devant la façade du musée qui tire son originalité du fait qu'il est l'unique site historique du Michigan en France. Entrons si vous voulez bien. Le musée est constitué d'une pièce d'accueil où nous avons mis le drapeau des États-Unis et un buste imaginaire d'Antoine. Dans la chambre, nous parlons de la jeunesse d'Antoine Lomé. Nous continuons par la cuisine, dans laquelle nous parlons de sa vie professionnelle en Nouvelle-France et en Louisiane. D'une troisième pièce, dans laquelle nous évoquons son retour en France et son décès. D'une quatrième pièce, dans laquelle nous évoquons la relation entre Saint-Nicolas, Détroit, la General Motors, et la voiture Cadillac et où est exposé le drapeau de Détroit que nous a si gentiment offert John Cooper. J'ai plaisir de vous rappeler qu'en venant nous rendre visite, vous êtes ici, chez vous. Et je me ferai une joie
de vous faire découvrir la vie de cet homme qui fut, tel que le définit Philippe Poré-Curère, un véritable Américain au sens philosophique du terme, un homme qui n'a pas craint de vouloir échapper à sa condition, un individu qui n'a pas eu peur non plus de vouloir donner vie à ses rêves. Nos amitiés à la ville de Détroit, aux paroissiens de Sainte-Anne et au Nain Rouge. Bonjour, Bernard Boucher, je suis le maire donc de Saint-Nicolas-de-la-Grave, au pied du château Richard-Cœur de Lyon. Je vous envoie un grand bonjour ensoleillé de Saint-Nicolas-de-la-Grave.